Salut à tous, ici Wolitex. On se retrouve pour la 9ème partie de l'épisode 4 sur Case 2 Animatronic Survival. Dans la dernière vidéo, on a enfermé le hibou dans les toilettes et vous ne croirez pas où est-ce que ça a sauvegardé. Regardez ça. Donc là, si vous vous souvenez plus, on a enfermé le hibou là-dedans. Alors on va voir s'il est toujours là. Ah, vous voyez, on l'a enfermé là-dedans. Vous le voyez, il est juste là. On l'a enfermé là-dedans. Ce qui nous a permis d'accéder à l'ordinateur dans le bureau ici. Et de pouvoir ouvrir cette porte. Et j'imagine que je dois reprendre le mini-jeu dans la télé, je suppose. Parce que ça c'est verrouillé parce qu'il y a une vitre. Et si vous vous souvenez, à la fin de la dernière vidéo, on avait le nouvel animatronique qui était un genre de mouton et qui s'est transformé en réalité au chat. Donc le chat est de retour dans l'épisode 4. Et du coup, je pense que je devrais peut-être me cacher ici. Enfin, comme s'il ne m'a pas vu. Ou sinon, je devrais courir ici. Ok. On va tenter un truc. On va voir ça. Ça, je le suis. Est-ce que je dois faire? Ok. Ok. Ça va. Presque du premier coup. Just make your opponent laugh or scream. And then our Mr. Bite will come to your aid. Ça, ça a été le nouvel animatronique. Vous l'avez reconnu au niveau de la tête. Ça, c'est la tête du nouvel animatronique. Ça, c'est la tête du nouvel animatronique qui est le crocodile. Ça, je me souviens de ça. C'est là, on s'est laissé ici. Donc là, je devrais me cacher ici. Vite, vite, vite. Ou peut-être qu'il faut que je m'approche encore pour que je puisse me faire, pour que je me fasse encore tuer par le chat. Donc c'est vraiment un genre de mouton lui qui va se transformer en chat. Ouais, c'est bien ça. Le retour du chat. Comment je vais l'éviter? Donc à moi il faut que je conserve. Vous voyez, ça c'est fermé, je peux plus retourner à l'endroit où il y a eu le hibou. Je dois encore éviter. Vite, 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 vite. Vite, vite, cours, cours, cours. Ok, je peux accéder ici. Comment je vais faire? Mais comment je vais faire pour passer? S'il me court après? Oh non, ça se regarde encore ici. Oh non. Ce passage va être horrible. Je vous le dis tout de suite. Ce passage va être très très compliqué. Ça, je vous le dis tout de suite. Ok, comme ça. Ok, il faut pas accéder au rouge. Do you feel like you're in danger? Like someone is about to hurt you? Don't be afraid. Ok, je peux pas juste rester en plein face de l'écran comme ça. Et là, il a apparu directement. Comment je vais faire? C'est pas suffisant pour que je puisse passer à côté. C'était pas suffisant. C'était clairement pas suffisant. Ça risque d'être compliqué. Donc je suis obligé de m'approcher de la bestiole pour que le chat puisse apparaître. Il y a sûrement moyen pour que je puisse passer. Voilà, il faut avoir les deux lumières jaunes. Une lumière verte et une lumière jaune. So the better option is just calling a teacher.
Mais c'est sûr, quand le chat va apparaître, ça va se fermer et je pourrai plus revenir ici. Il y a sûrement un moyen. Mais non, je peux plus interagir puisque c'est devenu noir. Ça s'est fermé. Même si je me cache ici, il va quand même voir. Mais c'est ça. Il apparaît. Et ça s'est fermé. Il va revenir. Si je passe à côté. C'est bon. Il a la même vitesse que les autres épisodes. Mais écoutez, je vais juste regarder un petit extrait de ce passage. Comment je fais pour passer. Pour pas me refaire avoir encore. Donc du coup, dès que j'ai fini, donc du coup, je vais trouver une solution pour pouvoir passer ce passage. Donc du coup, je reviens tout de suite. Ok les amis, j'ai compris ce qu'il fallait faire en fait. Regardez bien ça. Donc une fois que j'ai fait le mini-jeu dans la télé, il faut que je m'approche de la vitre pour pouvoir que le chat apparaisse. Mais je ne pourrai plus revenir dans cet endroit puisque ces portes-là seront fermées. Regardez bien ça. Du coup, ce carré jaune, il n'est pas là pour rien. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que j'ai triché un peu en regardant, en regardant une vidéo sur YouTube. J'ai triché un petit peu. Bon, tant que ça se finit. Like someone is about to hurt you. Don't be afraid. Just make your opponent laugh or scream. And then our Mr. Bite will come to your aid. Ah, j'ai compris. Si vous avez compris au niveau de ça, je crois que ça doit être un indice qui va se passer là-bas. Regardez bien ça. Je vais m'approcher. Le chat va apparaître. Et après ça, je vais devoir courir derrière, enfin, dans le carré jaune. Et là, il va venir pour me tuer. Regardez bien ça. C'est le crocodile animatronique. Il a détruit le chat. La première rencontre du nouvel animatronique qui est le crocodile. Ok, je suis obligé de le suivre. Du coup, le crocodile a passé ici. Il a explosé le chat. Là, c'est sûr qu'il n'est pas mort, le chat. Il s'est fait assommer par le crocodile. Ouf! J'ai pas compris. À mon avis, il faut pas que je fasse de bruit. Faut pas que le crocodile puisse m'entendre. En tout cas, on a pu voir quelle est l'animation du crocodile lorsqu'il nous tue. Je peux pas aller là. Il fait trop sombre. Mais je peux pas aller là-dedans de toute façon. C'est bloqué. Donc je suis obligé de le suivre. Mais sans marcher. Parce que sinon, il va m'entendre. Il est où? Il allait revenir. Il est où? Je l'entends. Ne viens pas par ici. Hop là. Attendez. Je
Je me suis trompé de touche. Ok, j'ai compris. Ok, il a entendu les vitres. Enfin, les morceaux de vitres. Donc, il faut éviter que je marche sur des trucs. Et que ça puisse l'attirer. Vous êtes pas sérieux? Ah, ok, j'ai compris. Il est attiré par le bruit. Ce que j'ai compris dans le trailer, ce que j'ai vu dans le trailer, il faut l'attirer par quelque chose pour éviter de se faire avoir. Normalement, on pourrait prendre des pierres pour l'attirer. Normalement. Mais là, je peux rien prendre. D'après ce que j'ai vu dans le trailer. Oh non, il y en a plus ici. Comment je vais faire pour passer? On va attendre qu'il passe. J'espère qu'il ne pourra pas me voir. On l'a bien vu qu'il a 3 yeux de chaque côté. Donc il y a 6 yeux en tout. J'espère qu'il ne va pas me voir. S'il te plaît, ne me vois pas. S'il te plaît. Je l'entends. Il s'est arrêté où? Ne viens pas par ici. Il me voit pas? Quoi? Et on le voit très bien. Il est méga badass. J'ai parlé trop vite. Donc là, on l'a bien fait comme il fait. D'abord, il nous croque la tête. Ensuite, il nous écrase avec sa patte. En ce cas, il a l'air assez redoutable, le crocodile. En ce cas, il faut l'avouer. Il est super classe, le crocodile, l'animatronique. Il est super classe. J'aime trop son look. Il fait méga flipper. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour la 9e partie de l'épisode 4 sur Case 2 Animatronics en V-Vol. Donc, on a pu voir les deux nouveaux animatroniques, en particulier le genre de mouton, mais c'était pas. Donc, du coup, c'était le chat qui était revenu. Et on a pu voir comment il fallait pour passer ce passage. Il fallait être sur le carré jaune. Et ensuite, le crocodile va défoncer. Il va vaincre le chat. Ensuite, il va falloir trouver un moyen de passer pour éviter que le crocodile nous tue. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, demandez des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!